J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo sur un mini-album sur le thème de la Reine des Neiges. Donc j'étais assez inspirée pour faire ce mini, donc il peut plaire à pas mal de monde. Donc pour la structure, c'est toujours la structure de cartes et enveloppes de chaque action en blanc. Pour les papiers à l'intérieur, j'ai utilisé un bloc 15x30 de Noël de l'année dernière. J'ai pris aussi ce bloc 3D die-cut de la Reine des Neiges. Et puis quelques papiers de ces blocs-là, qu'ils avaient sorti aussi l'année dernière. Et donc ils correspondent parfaitement avec le thème d'Anna et Elsa. Donc pour la couverture, donc j'ai utilisé le papier donc de ce bloc-ci. J'ai mis un die-cut, des fleurs, donc des fleurs en tissu et puis les fleurs en résine, des petites étoiles que j'avais eues à Zimane, le petit ruban avec les petits pompons. Pareil, un ruban et puis la tranche, c'est toujours mon chouchou, c'est le tissu autocollant. Et donc pareil, j'ai passé mon ruban dans mes papiers. Et puis mon petit tampon. Et donc je vais vous faire découvrir l'intérieur. Donc pareil, le ruban est magnifique avec plein de flocons de neige. Donc voilà pour la double page. Donc j'ai déchiré un morceau de papier et puis je me suis amusée à mettre du masking tape et puis les die cuts. Et là j'ai pas collé exprès pour pouvoir glisser la photo pour la coller ensuite. Puis j'ai pris aussi les stickers 3D de chaque action. Donc les couleurs se mariaient parfaitement avec ce mini-album. Ici, on découvre une petite page. Donc, j'ai perforé avec ma bordure Martha Stewart, qui est trop belle. Je l'utilise à chaque fois. J'ai plusieurs motifs différents. Ici, j'ai pas collé exprès pour pouvoir glisser la photo. Et puis ici, je n'ai rien mis. Donc là, j'ai déchiré mes papiers de chaque côté. Et puis, il y a toujours la petite ouverture pour pouvoir glisser sa photo. Alors pour ce papier là, c'est ce que j'avais eu
Aldi, c'était l'année dernière, donc ce sont des papiers avec les petits stickers. Et donc les papiers étaient vraiment magnifiques. Je vous montre. Donc c'était ceux-là. Et du coup, il y avait le bleu avec les pois rose, bleu et argenté. Donc voilà, c'était juste parfait. J'ai déchiré à chaque fois les bords. Là, les petites étoiles. Voilà pour ce mini-album. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné des idées pour les fêtes de Noël. Je pense que ça peut faire un super cadeau. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, scrapez bien et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !